Pointe-à-Pitre, Dimanche Gras. Comme chaque année, la Grande Parade rassemble des dizaines de milliers de personnes. Une période festive qui réserve également son lot de dérives, bagarres, vols, règlements de compte ou infractions. Face à ces risques, la police nationale de Guadeloupe, avec le renfort de la gendarmerie et des polices municipales, met en place un dispositif exceptionnel. Direction le poste de commandement, installé en plein centre-ville pour l'occasion. Police, gendarmerie et secours sont rassemblés autour d'une même table. Ils analysent les informations reçues par radio, puis prennent les décisions. C'est ensuite sur le terrain que tout se joue. Objectif, lutter contre toute forme de délinquance et prévenir tout trouble à l'ordre public. Nous avons mis en place un important dispositif de sécurité, lequel rassemble 150 personnels tout confondus. Nous avons 100 forces de sécurité intérieure, à la fois de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les polices municipales, qui viennent apporter un soutien sur le dispositif de sécurité à ce qui est organisé avec et des bénévoles et des agents privés de sécurité. C'est un dispositif exceptionnel puisque nous sommes ici sur une manifestation sur laquelle est prévu environ 60 000 participants. Donc il était important que l'on monte un lourd dispositif de sécurité pour que l'événement se passe sans incident. Au total, 900 barrières métalliques et 150 plots anti-véhicules béliers ont été installés. L'ensemble du parcours des carnavaliers était sous surveillance. Les entrées et sorties des véhicules étaient scrupuleusement contrôlées. Aucun incident majeur n'a eu lieu dans la journée. En revanche, les événements ont pris une toute autre tournure dans la soirée. Lorsque la nuit tombe, les esprits s'échauffent et les infractions deviennent plus courantes. Les policiers redoublent de vigilance. Ce motard circulait sur une zone interdite en faisant gronder son moteur. L'homme est immédiatement arrêté par le directeur départemental de la sécurité publique. Comme vous avez pu le constater, on a été amené à intercepter un motard qui était dans le périmètre, hein, sur le boulevard Légitimus, qui est interdit à la circulation automobile et aux deux roues. Par conséquent, il était en infraction à l'arrêté municipal qui a été pris. Il a bien fallu qu'on l'intercepte pour lui demander déjà de lever le pied et puis ensuite de contrôler son identité. Et ensuite, on l'a fait ressortir sagement du périmètre. Plusieurs graves incidents ont suivi dans la soirée. En tout, 5 personnes ont été blessées par arme blanche, dont une victime avec un pronostic vital engagé. Sur la route, 870 véhicules ont été flashés pour excès de vitesse. Chaque jour, la police met tout en œuvre pour éviter ces incidents. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe où toutes les brigades sont concernées. BAC, CDI, BST sont mobilisés. Ce dispositif de grande ampleur sera maintenu jusqu'à la fin des festivités. Restez prudents.